Bon, je ne vais pas attendre plus longtemps et je vais vous épargner ce magnifique loop de quelques secondes. Attendez. Ouais, 5 secondes. Magnifique. Bravo. On se retrouve pour un nouveau live aujourd'hui, enfin ce soir plutôt. Pareil, je ne vais pas faire un live très très long. Je pense que vers 22h, je vais m'arrêter 23h grand max. Bon, ça fait quand même 4 heures. Hein. C'est, je dis 3-4 heures. C'est pas très long, mais bon quand même. On se retrouve pour un jeu qui date de 2002. Je ne savais pas ça. C'est pour la blague, j'ai regardé tout à l'heure lorsque j'ai fait mon tweet, parce que je suis comédien, quand est-ce qu'il est sorti? Et j'ai vu qu'il est sorti en 2002. Voilà, demain il y a Ori et and the Will of the Forest, non, in, c'est quoi? And the Will of the Wisp qui sort demain. Et moi je joue à Darkfall The Journal qui est sorti en 2002. Pour Windows XP ou 98, je sais pas ce qu'il y avait à l'époque. Je crois que c'est 98. Voilà, je suis totalement stupide et je n'ai aucune capacité commerciale. Et je pense qu'en fait, à chaque live en fait que je vais démarrer sera en fait une sorte de suicide à la fois social et commercial. Et je n'arriverai jamais à être un top streamer. Adieu ce rêve d'être un streamer à temps plein. Donc voilà, je mets mon bouton pour être un peu plus professionnel. Voilà, j'ai l'air d'être un con, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti! En plus, regardez-moi ce magnifique overlay. Le jeu est en 4 tiers. Alors, sur mon écran, il est étiré à fond. C'est beau. Moi, j'adore quand c'est étiré comme ça. Sauf que sur la capture du live, il est en 4 tiers. Donc, j'ai dû me débrouiller avec les moyens du bord. Je n'avais pas de background. Donc, en fait, ce qui est juste en dessous de moi, là, ici. C'était totalement vide, donc j'étais un peu emmerdé. Du coup, j'ai vite cherché un background dans ma bibliothèque d'images et j'ai mis ça. Si j'avais eu un peu plus de temps et si j'avais préparé mon live pas comme un connard, j'aurais pu mettre une image bizarre ou marrante. Mais je suis fatigué et j'avais pas beaucoup de temps. Donc, nique. Allez, ça suffit. Maintenant, on va jouer. Voilà, ça suffit le loop. Oh putain, mais du coup, vous voyez mon son. Merde. Oubliez ça. Attends, attends. It's me, your Ah non, pas de brother. sous-titres. Oh, I was hoping you were gonna be in. C'est moi, c'est ton They needed frère. you to be J'espère que in. tu étais là. I know what you're J'ai besoin de thinking. toi. You're Je sais ce thinking que you tu only get the penses. phones when there's something wrong. Tu Well, réponds something seul. is wrong. Quelque chose ne va Very wrong. pas. Quelque chose ne va vraiment pas bien. I'm Et on est still à in Londres. Dorset. On est un touriste. I'm not the only one here. There's two students from Ah. Weymouth University. Oh. Holly and Nigel. Ghost hunters, would you believe? Il y a des étudiants qui sont des chasseurs de fantômes avec Well, I lui. didn't believe. I do Salut now. Harmonie, ça va bien et toi? I need you to leave now. I need you to come here. Oui. I would go to the police, but well, Qu'est-ce que c'est que ce they'd truc? On dirait love un your jouet pour defense. enfants. Ghost hunters. Mes messages. C'est I think it's beau. found me too. Quelque chose l'a You could use trouvé. help. Je fais la traduction. You're always good with things like this. On va à Poudlard! Ah non. If you leave now, you can C'est catch le the main RER. train from Paddington to Weymouth. From Weymouth, get a Voilà, pardon, cab. je cache Come to les Dowerton crédits. Station. It's abandoned. I'll be waiting. I really need your help on this. Oh! Philippe Philippou! Il a assisté pour la création de ce jeu, Philippe Philippou! Il n'y avait pas deux voitures dans le train? Là, il n'y en avait qu'une. Non, c'est pas grave. Ça va bien? Ah bah super. The sooner you can get here, the better. Yes! This place is really beginning to freak me out. D'accord. I tried to find Polly or Nigel earlier and I couldn't find them anywhere. Putain, They t'avais went to deux the beach. étudiants, tu les as perdus This quoi, all started a sérieux. few days ago. It was Mais when quel connard. En vrai, ça a l'air plutôt bien. Je sais pas pourquoi j'ai eu un flashback au Benching Chapter. Je sais pas si vous connaissez ce film. Je sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir. Non, c'est Oh, good. You're Harry awake. Potter. We're in a tunnel. A train tunnel. Just in case you're wondering where we are. J'ai Why pas don't you compris. have a look around? Non, mais qui me You're not parle? too far. Not just yet. I have a lot to tell you. Allô, qui me parle?
Comment on contrôle? Est-ce que je contrôle avec les trucs? D'accord, ok. Bon, petit rapide résumé. On a eu un message de notre frère à qui on ne parle pas souvent parce que forcément, entre frères, vous voyez, il faut toujours qu'il y ait du drama et on ne se parle pas beaucoup et on ne se parle qu'en cas d'urgence. Enfin bref. Enfin, il enquêtait dans un endroit bizarre avec deux étudiants des chasseurs de fantômes. Wesh, Ghost Hunter représente. On dirait, j'ai pas remarqué. Notre frère du coup s'est fait baiser par Voldemort, mais non, c'est pas grave. Il est pas sûr de ce qu'il a entendu, c'est pas grave. Ouais, j'allais dire, pour un jeu de 2002, je trouve que le voice acting From London, ain't ya? est assez We pas come mal. Par from contre, London. qui me Couple weeks parle? ago, Qu'est-ce que c'est que don't ça? you Qu'est-ce qui know? se passe? Doctor said we had to. Air was bad for me and me dad. Breathing problems or something. Pourquoi tu me parles de ton Let's keep père? moving, shall we? Par contre, je suis désolé, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas d'option. Le jeu est vraiment limité. Si vous ne connaissez pas. Attendez, je désactive mon téléphone parce que. Ta gueule, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais pardon, je suis occupé. Si vous ne connaissez pas l'anglais, je suis désolé, je ne vais pas faire. Tu sais, en anglais. Il n'y a pas de sous-titres, Harry. Le jeu n'a pas d'option. Par contre, je vais où là? I can see the Ah! office too, so maybe I can help you. Qui me My parle? brothers are hoping you'll be able to help them. One of them knows you. Your brother, ain't it? He's the new one, only just arrived. He feels a bit confused. I D'accord, was ok. like that at first, but you get used to it. Tu peux fermer ta I'm gueule, s'il te Tim, by plaît? the way, Timothy Pike. A normal Je. player, or on the footbridge. I like to watch the trains. Ta There gueule! ain't no trains. Not now. Je. Listen, don't tell my dad that I'm in here. It'd Je kill comprends me. la moitié de tes mots parce que t'as un Anyway, accent londonien à couper au couteau. let's get you out of this tunnel. You'll catch your death. Une death. D'accord, ok, c'est juste. Lui, c'est l'agent de touriste en fait. Il m'a vu arriver, il s'est dit, oh, bah tiens, je vais te faire visiter les lieux. C'est pas un des étudiants parce que je me dis, putain, il a 15 ans ce mec, c'est vraiment un étudiant. Il est un peu jeune. Bref. Ok, les disparitions dans un hôtel, à Dower Town, je sais pas ce que c'est, je suppose que c'est un quartier de Londres. Putain, c'est le monologue du londonien. Hein. Essayez de comprendre ce qui. Non, en fait, c'est un bon entraînement hein, pour ceux qui essaient d'apprendre l'anglais avec des accents. Genre, ça y est, j'ai appris à décrypter les accents scottish. Comment on appelle ça? Scotland, c'est quoi ça? Écossais. Mais quand c'est trop extrême, des fois, je me dis, hein, vous dites quoi? Vous pouvez répéter? Parce que c'est un peu raciste. Donc... Bref. Blablabla. Ah, une photo de Carbry, mais je m'en ai rien à foutre. Est-ce que je peux déplacer? Non. I can see the other. I can see the others too. So maybe I can help you. I think the others are Putain, mais il est hoping. reparti! Putain, Non, See? tais-toi! We're near the station now. It won't Now. always like this. It's bright and busy and full of people. I think they must have shut it down. Tais-toi. I don't remember why. Il aime I don't beaucoup les trains, en remember tout cas. much at all. Not even the way home. J'aimerais bien traduire ce que tu dis, mais Perhaps en you can fait, tu help parles me. trop vite! Et j'ai pas assez de compétences en traduction directe. Je pourrais pas aller à BFM Climb TV up et on the platform. faire la traduction. Two right there. Go on. Vas-y, monte la plateforme. Oui, tant que tu parles, je peux pas bouger. Donc ferme ta gueule. Ah bah en fait, même quand tu parles pas, je peux pas bouger en fait. Ça y est, je suis coincé. Je peux pas lever ma jambe, utiliser mes bras pour monter la plateforme. Donc ça y est, je suis buggé. Je suis coincé. Ah, je peux, d'accord, je peux aller sur les côtés, parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de tourner la caméra, sauf que je n'y arrive pas. Oh, ladies. Excusez-moi, j'ai des questions à vous poser, mesdames. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, on est en combien là? That's Parce it. que. That's where Ah. you can get started. Open the door. J'aimerais bien savoir au moins que tu me dises ton nom, parce que je suis même pas sûr si tu m'as dit mon nom, parce que normalement j'ai cru comprendre que tu t'appelais Timmy avec deux M, mais je sais pas en fait, parce que j'ai rien compris. There's a switch in front of you. C'est à ça que servent les Look. sous-titres. It's time this place had a bit more light, don't you think? Tu me dis, ouais, il y a un interrupteur. L'interrupteur, c'est littéralement la lampe, quoi. Il n'y a pas d'interrupteur, il y a juste une lampe. Normalement, il y a un petit truc, mais là, il n'y a rien. Vous avez oublié de modéliser des trucs, là. Ah, vous en souvenez les point and click là, style FMV, bien modélisé comme ça, à la mist. Moi non, parce que j'étais pas né à l'époque. Time. When you've finished in here, I'll be C'était. outside. Oui, bah ferme ta gueule. Genre quand t'auras fini, ouais, bah j'ai fini, j'ai activé. Oh! Est-ce que c'est vraiment Harry Potter? Il faut que je tape les trucs dans un bon ordre? Non, tant pis. Je peux pas avoir une arme ou un truc du genre?
Estate, ok. Donc on est après 1913. Très intéressant. Ça, j'aurais pu le déduire avec la présence d'électricité. Et du RER aussi. Ah, j'ai des options? Load, save. Ah non, je peux... Ah! Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Non, il y a pas mes documents. Il y a tout mon porno. Pourquoi? Mais t'es où? Genre, j'entends beaucoup moins fort. Genre, on dirait qu'il est parti. Tu fais de la gueule, c'est ça? T'as vu mon porno du côté dégoûté? Au moins, il est parti. Il m'a dit, il est parti. C'est bon. C'était du tutoriel, il est parti, c'est très bien. Putain, les décors, on dirait tellement les FMV de Silent Hill 1. Genre, c'est le même style. Oh non, ça va être chiant. Oh non, il y aura plein d'énigmes. Oh, il y a plein d'objets, il va falloir faire des combinaisons et tout. Oh, ça va être chiant. Je vais pas prendre le balai. Je sais pas, parce que tu prends n'importe quoi dans ce genre de jeu, donc... Ah, est-ce que je peux zoomer avec mes yeux bioniques, là? Parce que c'est écrit très, très... Alors... New position indeed. Un nouveau boulot en effet. Indeed, comme la plateforme pour trouver du boulot. Bref. D'accord. Ah, on l'a licencié ou on a changé son boulot. D'accord. Ok, donc il a perdu son boulot par rapport à. Infanago. Je connais ce jeu, mais je l'ai pas fait. Il faut que je le fasse un de ces quatre. En plus, je sais qu'ils ont fait un remaster sur toutes les consoles, donc j'ai aucune excuse. D'accord. Donc, il a perdu son boulot à cause des disparitions. Enfin, il a changé de boulot, plutôt. Ah, on est dans un village, on n'est pas à Londres. Ah, je pensais qu'on était à Londres. On est dans un quartier de Londres. Non, pas du tout. On doit être dans une des communes à côté de Londres, qui dépend de Londres. Ah bah, il y a une carte. Ah ouais, on est loin de Londres. London, Paddington, d'accord. Paddington. Magnifique film. Très beau, très marrant. On est où? Dower Town, c'est où? Si vous voyez, dites-le moi, hein, parce que je suis aveugle. Bournemouth. Oh, il y a Bournemouth. Ah non, c'est pas Bournemouth. Tant pis. Portsmouth, Brighton, Westbury. Oh là là, Bristol. Oxford. Waouh! Super, il y a plein de villes dont je connais le nom, mais je ne savais pas qu'elles existaient en vrai, mais c'est pas grave. Vous voyez, mes connaissances en géographie sont extrêmement profondes. Oula, ils l'ont bien étiré là, le JPEG, hein, c'est, la compression ne s'est pas bien faite. Bon, ça a l'air d'être des shifts. Très bien. Oh là là. GWR. Notez, notez. C'est... Yo, tu cherches quoi? Je ne sais pas. Je cherche mon frère! Hein, on cherche notre frère. on me demande ce que je fais. Il me dit, j'ai oublié. Il y a un gamin qui m'a parlé pendant 20 minutes non-stop et je savais plus quoi faire. Oh, j'ai oublié de record pour YouTube. Désolé YouTube, je viendrai chercher sur Twitch. Bla 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 bla. Ah putain, ils ont fermé la gare. D'accord. Tout ça, c'est à cause de la presse. Ils ont ruiné l'intégrité de cet endroit. Post-scriptum. Joyeux pack. C'est, pensez à manger du chocolat. Hein, c'est... Oh, oh non. Oh non. Ah non, c'est des quêtes. C'est des quêtes. C'est le panneau des quêtes. Il faut trouver... 4 pounds. C'est quoi des pounds? C'est 4 livres. Ah non. Une récompense de 4 livres. Pour une information à propos du vandalisme de GWR, je suppose que c'est la gare. Blablabla. Ouais, mais je m'en fous. Putain, c'est ça, c'est le livre des quêtes. Ou c'est juste le panneau des emplois, en fait. C'est l'ancêtre d'Indeed ou de Pôle emploi. Est-ce que c'est important? Quelqu'un a acheté énormément de bougies, mais c'est pas grave. D'accord. Je lis rapidement, on voit s'il y a des trucs à ramasser. Enfin, des trucs à ramasser, des informations importantes. Ceux-là, je peux même pas les ramasser, je sais pas, c'est bugué, il y en a un, j'arrive même pas à lire. Je suis un peu... C'est écrit en français, donc... moi, je connais que l'anglais. Bla bla bla.
Ok, donc il y a l'air d'avoir une petite histoire d'espion, des trucs comme ça. Ah. Tout Paddington. First class, première classe. Oh putain, c'est génial. Mais vole-les et revends-les. Tu feras une fortune. Surtout en ce moment. Hein. Bon. Waiting room. Bonjour. Un téléphone. Ah merde. Non mais appelle. Fais quelque chose. J'essaie d'interagir avec lui, il le repose quoi, c'est notre QI. Mon téléphone, bah, je vais le reposer. Hein. Bon, j'espère qu'il n'y a personne qui n'y ait pas d'empreinte digitale importante dessus, parce que là j'ai mis mes mains partout dessus. Et je pense que bah, je serai le suspect principal. Hein. Surtout, je sais même pas qui je suis. Hein. Je sais pas si je suis un policier, un détective, quoi que ce soit. Je viens juste chercher mon frère en fait. Je n'ai aucune juridiction. Je sais pas parler. Ah. J'ai une photo de l'hôtel où il y a eu di les disparitions. Mais j'ai pas l'adresse. Je peux avoir l'adresse? Ah, c'est quoi cette police horrible? C'est quoi ça? Qui a fait ce design? C'est moche. Putain, ça essaie d'être moderne, mais c'est juste moche. Ah non! Ah oui, c'est pas un truc justement pour aider, s'aider à dessiner les grosses lettres, je sais plus comment ça s'appelle. C'est genre, il me semble que c'est une aide pour dessiner bien ce genre de lettres. Pour que ce soit bien professionnel. Parce que ça, en fait, tu le fais, mais pas sur un document officiel. Alors, tu le fais en entraînement. Connard. Bref. Architecture supérieure. Crowhurst. J'arrive même pas à lire. Richard. Les impressions artistiques du site sont plutôt bonnes. Et si tu peux demander à Vicky de se calmer pour les plantes grimpantes. Also station. D'accord. Il y a plein de noms. Est-ce qu'il faut que je retienne tous les noms parce que ça va être chiant? D'accord, il montre le portfolio à Jonathan Crabtree. Putain, aussi, vous écrivez comme comme des droitiers en fait. Je trouve ça dégueulasse. À mort les droitiers. Email. Ah, ils ont des emails. On est au moins dans les années 90. Au moins. J'essaie de reconstituer une timeline. Hein. Je fais ce que je peux. Ah, faut trouver un nom pour le club. Cars. Comme le film? Oh, c'est quoi ça? Ah. Oh, c'est un PDA. You have to enter. Ah. Oh, j'ai une carte. Oh. Super. J'ai des documents. Oh, putain, c'est un journal. Oh, ça va être chiant. Il est où? D'accord. Oh non, oh, j'ai plein d'emails. Nos périphériques. Oh, ça va être chiant. Est-ce que j'ai un truc là? Je suis. Ok, donc je suis là. Est-ce que vous voyez ma souris? Oui, vous voyez ma souris. Hôtel juste là, d'accord. Donc il faut juste que je suive les rails du train. Et ça, c'est quoi? Ok, j'ai pas compris, c'est pas grave. Ah non, 2002, c'est bon. Ah bah c'est ça, en fait, en 2002, c'est... Waouh. Vous utilisez encore des lanternes en 2002, c'est triste. Bande de pauvres. D'accord, je lis rapidement. Hein. D'accord, donc les Crabtree, le truc de John, là, c'est une vieille famille, je suppose, locale, hein, qui vient du cru. Elle est dans les bois. Leur maison est dans les bois, c'est un détail assez important parce que je pense qu'ils sont douteux. Hein. Et je pense qu'il y a anguille sous roche. Toujours, hein, dans les jeux d'horreur et les vieilles familles. Toujours. Salut, c'est un petit jeu d'horreur point and click qui date de 2002 parce que je sais être hip et cool pour les jeunes. Et on cherche notre frère. Qui était avec des chasseurs avec des Ghost Hunters dans un village abandonné dans le trou du cul du monde à côté de Londres. Et tout est en anglais, sans sous-titres. Je tiens à préciser, c'est important. Alors. Donc apparemment, les salles sont intactes. Je suppose qu'ils parlent de l'hôtel. Enfin, j'en sais rien. Soit ils parlent de la maison des Crabtree, soit de l'hôtel. Mais tout est intact.
Ah, il y a deux étudiants. D'accord, ok. Donc c'est plutôt récent. Il y a deux étudiants dans l'hôtel. On dit qu'ils étudient les activités paranormales. Ils vont faire un film. La found footage. Il va me servir. Je sais pas ce que c'est. Polly, Nigel. Nigel! Ok. Ok. Ah, on va détruire. Enfin, il est prévu de construire un conservatoire à la place de la plateforme, enfin de la station de gare. Et aussi un restaurant. Super, ça va se moderniser. C'est, vous allez voir. Dower Town, ça va être le nouveau Marseille. Le sud de. En fait, quand j'y pense, non, Londres, c'est Marseille de la Grande-Bretagne, c'est pas grave. Ça va, le français, on comprend pas de toute façon. Oh, ça va! C'est sur 980. Pourquoi 990? C'est très mal noté. Mettez-le à 1000, quoi. Respectez-moi, respectez les gens qui sont légèrement obsessionnels. Hein? D'accord. Donc il y a un gamin dans le tunnel. Je suppose que c'est Timmy qui m'a parlé pendant une demi-heure. Je sais même pas son nom. Hein. J'aurais bien voulu avoir les sous-titres, mais c'était pas possible. D'accord. Ok. D'accord. Ah, donc Jonathan Carpentry, d'accord, ok, j'ai compris. Jonathan Carpentry, c'est un client qui a racheté l'hôtel, je suppose, et qui les a engagés pour. Enfin, qui a engagé ces personnes pour raviver cet hôtel, le réemménager, faire un renouveau architectural, tout ça, tout ça. Et je suppose que le truc au centre, là, ici, c'est un Photoshop de ce que ça, de ce que ça va donner, en fait. D'accord. Ah, non, tu peux revenir, s'il te plaît? Putain, c'est long, oh là là. Mais qui écrit des journaux là-dessus, quoi? Sérieusement, qui fait ça? C'est que dans les jeux vidéo qu'on fait ça. Hein. Enfin, je sais pas, ou alors c'est juste moi qui n'écris rien. Hein? Attends un peu. Une sorte de. Ah d'accord, j'avais pas compris, parce qu'il y avait des chiffres, il me disait, oui, il y avait des interférences entre 271 et 632. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Juste noter au cas où, s'il y a une radio quelque part et que je peux faire quelque chose avec ces interférences. Hop là. Je ne sais pas ce que c'est. Ah si, je connais ça, c'est un truc de Cartoon Network, je vois. Non, non, j'ai juste. Je sais pas comment il s'appelle. Il y a un gamin qui m'a parlé pendant une demi-heure. Je crois qu'il s'appelle Timmy, je suis pas sûr, parce qu'il avait un accent londonien à couper au couteau. Donc je n'ai absolument rien compris, enfin à peu près. Mais voilà. Apparemment, il y a mon frère par ici et il a un peu secoué. Moi, je pense qu'il est mort, mais c'est pas grave. C'est juste moi qui suis un peu pessimiste. Ah d'accord, donc en fait l'hôtel va être. D'accord, c'est ça. L'hôtel va être reconstruit sous la forme d'un club en fait. Il va être réaménagé comme un club qui va s'appeler Cars. Comme le film. Non, je ne fais pas la lecture parce qu'on m'a dit que je le lisais très très mal. Cars it is. Je fais le résumé. Oh putain, j'en ai marre. D'accord, ils ont fait manger des pizzas. Ah, mais c'est mon frère! J'ai un tilté, mais est-ce que c'est le journal de mon frère? Parce qu'il a l'air d'être plutôt. De faire la discute avec. Comment je peux pas. Choqué, déçu. Désu. Vous avez qu'à lire, vous avez qu'à apprendre l'anglais. Je blague, évidemment. De toute façon, j'aime pas traduire approximativement le français. Je préfère lire moi-même et faire mon résumé après. C'est beaucoup plus rapide. D'accord. Donc, il sympathise avec les étudiants, les chasseurs de fantômes. Il n'est pas sûr de ce qu'ils font, mais il s'y intéresse. Il va voler tout leur équipement et le revendre sur eBay. Enfin, moi, c'est ça que je ferais, mais c'est pas grave. Ah! Il les a renommés PN. Haha. PNL.
Quelqu'un a essayé de voler quelque chose dans ses affaires, d'accord? Il suspecte que ce soit Timmy. Mais rien n'est sûr. Ok. Ah, donc il y avait bien quelque chose. Il y a une entité qu'il a nommée le siffleur. C'est pas grave. C'est pas très original, mais je vais pas le shamer pour son originalité parce que moi-même j'en ai pas. D'accord. Ah, il va appeler du coup quelqu'un. Et il dit que cette personne a toujours adoré les puzzles. Donc je pense que c'est moi, mais je suis pas sûr. Si ça se trouve, il a appelé d'autres personnes, mais ces personnes n'ont pas pu répondre. Et du coup, voilà. C'est pas un téléphone, c'est un PDA. Enfin, je crois que c'est un PDA. Je m'y connais parce que je fais beaucoup de jeux rétro, donc je sais ce que c'est les PDA. C'est un Kiddy secret qui m'a. Un Kiddy? Je ne comprends pas vos mots. UTF est très Adibou. Ah bon? Tu trouves? Je trouve pas. Salut Peter! Non, mais en fait, je sais même pas comment il s'appelle. Je ne sais pas comment je m'appelle, je sais pas comment mon frère s'appelle. Ce que j'ai écouté au début, mais j'étais occupé à faire le con aussi. Enfin, respectez-moi. J'ai l'impression que le. Dans l'image, j'ai l'impression que sur le retour OBS, elle est un petit peu. Non, je crois que c'est moi, que moi. D'accord. Il y a Vicky. Vicky, c'est sa collègue. Très bien, on s'en fout. Qu'est-ce qu'elle dit par rapport au rail? Ah oui, c'est juste que l'hôtel est à côté des rails, d'accord, très bien. Oh non! Il s'est abonné à Doctor Who! Attends, oui, c'est ça. Yes, il y a une référence à Doctor Who! Mon monde est refait. Vous utilisez vos PDA pour dessiner? Achetez une tablette. En 2002, je vais dire aux gens d'acheter une tablette, hein. Achetez-vous un Apple, voyons. Ça coûte pas cher. C'est bon, je suis content. Il s'est abonné à Doctor Who. C'est une bonne personne. J'espère qu'il n'est pas mort. Ce qui est bizarre d'ailleurs, pourquoi il s'est abonné à Doctor Who en 2002? C'est. Oulala, très étrange. Ah. Salut grand frère, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc ça c'est moi qui lui ai envoyé un message. D'accord, c'est moi qui lui ai envoyé un message en lui disant qu'est-ce qui se passe? Hop là. Sauf que je sais toujours pas mon nom, hein. C'est fantastique, j'adore ça. Et en plus j'ai signé moi, quoi. C'est le mec, il veut absolument pas révéler son nom. C'est qui? C'est moi, voyons. Ça marche pas très bien. Oh non, il va pas y avoir des énigmes avec ça. Il faut que je mette un tableau là. C'est quoi ce truc au sol là? C'est quoi ça? On dirait des barres pour des passages à niveau. Je suppose que c'est ça, on est à côté d'une gare après tout. Bon! Et je suis où là? C'est l'hôtel ici? Plus que téléphone. Allô? Oh, on dirait Mickey. Allô, aidez-moi. Ah, comment je fais pour l'utiliser? Oui, comment je fais pour l'utiliser? Allô? Comment je fais pour l'utiliser? Il n'y a pas de tutoriel! Le gamin, il m'a parlé pendant 3 heures, mais je sais pas ce qu'il a dit. Ah. Vous pouvez parler en anglais, s'il vous plaît? Merde. Encore un. Je vais me ruiner. Oh, les références. Très bien, mais j'en ai un peu rien à foutre. C'est pourquoi. Oh, ça fait peur! Des soupirs! Non, pas des soupirs. Des murmures? GWR, c'est quoi ça? Yes, j'avais raison, c'était l'industrie du. Des trains. C'est la boîte de train. Oh, je peux aller à Broadway, c'est génial ça, le train il va loin, hein. Transatlantique le truc. J'adore. Weymouth. Je sais que Weymouth, on en parlait dans. Enfin, c'est une ville que Lovecraft utilise souvent, parce que je sais pas si elle existe vraiment. Bon, très bien.
Je peux prendre prendre ça, s'il vous plaît? Ah merde. Pas que je clique hors de l'écran, parce que oui, je peux cliquer hors de l'écran, parce que forcément, la fenêtre n'est pas verrouillée. Ah, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ah! Ah, c'est très mal écrit! Un gaucher! J'ai trouvé un gaucher! Bien joué, vous avez trouvé ma note! You find me note. C'est quoi, c'est un écossais ou... Parce que même les écossais, en fait, ils écrivent pas comme ça. Ils écrivent pas you found me note. Bref. Vous n'avez aucune idée l'effort que j'ai dû faire pour réaliser tout ça. Le plus marrant, c'est que... C'est que mon écriture est mieux que quand j'étais à l'école. Oui, mais j'en ai un peu rien à foutre, en fait. Je suis désolé, mais... voilà. D'accord. Ah, non, tout va bien. Non, je peux pas. Il n'y a pas de... C'est un téléphone, mais tu peux pas composer des trucs. C'est... Tant pis, j'aurais essayé. Putain, il écrit comme il parle. Je sais pas si les gens font ça. Genre s'ils disent hier, est-ce qu'ils écrivent hier? C'est ça, c'est un pirate, d'accord. Parce que c'est ce que je me disais. Est-ce que les gens qui parlent comme ça, ils écrivent leur accent? Genre moi, quand j'écris putain, j'écris pas A-I-N-G. Bon, je dis pas putain non plus, mais c'est pas grave. C'est un faux modo. Je l'ai mis modo, mais il s'en fout. Mais attention, parce que du coup, il a le pouvoir de vie et de mort sur tout le monde. Mais c'est un bon dieu, et du coup, il ne fait rien. For you, Serena, come back. This is all for yourself, Team Pike. Donc j'avais raison, c'est Timmy! Il s'appelle vraiment Timmy! J'avais raison. Oui? Je peux regarder au-dessus? Non, d'accord. Ah! Quoi? Quoi? Où suis-je? Ah, je regarde par la fenêtre là, d'accord, ok. Putain, mais c'est moche cet endroit. Pardon, hein, c'est... Je voulais pas juger, c'est juste... Bonjour. Alors je fais un tour sur moi-même à chaque fois pour voir s'il n'y a pas des trucs cachés. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? 10, 11 quoi. Je sais pas. Ah! Ah! La France! Les coordonnées! J'avais raison! Merde, non, je vais un peu loin là. Non, merde. 272, tout pile! Mais le comparez pas à un... Mais c'est quoi ça? Attendez. Ah, c'est une lampe qui fait quick quick, ok. Vous comparez pas un... Une alcoolo. Hop là. Ah. Putain, j'arrive pas, il faut que je mette à 632. Sauf que c'est putain de compliqué. Ah! Je note! Je note parce que j'ai pas de mémoire visuelle! Enfin, à peu près, je sais pas. C'est parti? Est-ce que c'était bien ça? C'est un triangle avec... C'est du jeu, la tête est extrêmement fine. Hop là. Tout à fait. L'amour de soi-même, forcément. Je sais ce que c'est. Ah! Bonjour, monsieur. C'est Henri IV! Henri... Oui, c'est Henri IV. Je sais lire les chiffres romains. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Oula, putain. Oh putain, j'ai... Non, pardon, j'ai cliqué sur OBS, j'ai cru que j'avais quitté le live, j'ai eu très très peur. Oui? Crunch crunch? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ce sont soit des lampes, soit des cloches très très design. C'est the bells of single... Où suis-je? Ah, je suis rentré dans la salle, d'accord. Je pensais que c'était juste un placard. Allez, la lecture! Pardon. La photographie devient stéréoscopique. Hein? Ah, c'est la 3D, c'est ça? Ouah, des photos en 3D! Le futur! Attention, il y a Avatar qui sort dans 10 ans, ça va vous péter l'anus. Mais surtout l'iris, je crois, à peu près. Mais oui, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suppose que c'est en lien avec
que ça, cette notice, soit en lien avec l'appareil des... C'est pas le fameux hôtel. J'en sais rien, parce que je sais pas où il est l'hôtel, en fait. Je suppose que c'est celui-là, mais... Encore du morse. Arrête avec le morse, putain, il y avait le morse une fois, j'en ai parlé une autre fois dans un autre... Tu es obsessionnel avec le morse. C'est pas grave. Mais non, parce qu'en fait, j'ai regardé sur la carte, l'hôtel était bien plus loin que la gare, mais j'en sais rien, en fait. Je sais pas lire de carte, après. Hein. Après, c'est une carte anglaise, aussi. Hein. À ce qui paraît, les Anglais ont leur propre... Arthur, je sais pas ce que c'est. Ont leur propre système cartographique, donc peut-être que je n'ai pas pu la lire. Bonjour, un petit bain ? Non, je plaisantais. Bon, ce sont des chiottes, hein, forcément c'est un peu chiant. Bonjour. Peinture de la station d'Awarton par un artiste local, le regretté Arthur Johnston. Putain, forcément, c'est quoi ce nom ? Arthur Johnston, je veux pas être raciste, mais bon, quand même. Ils sont disponibles à l'achat. S'il vous plaît, contactez Edith, Betty ou George. Non, c'est du binaire allumé, c'est éteint. Non, c'est juste, c'est soit du binaire, soit c'est... Qu'on appelle ça? Ou du mort, genre... à chaque fois quand ça s'allume, c'est soit long, soit court. C'est plus logique que soit ça, parce que c'est extrêmement difficile de faire du binaire comme, avec ça. F. Ah, on est dans la chambre F. Préparez-vous. Ah, bah en fait, il n'y a plus rien. D'accord. J'ai mis un temps de comprendre. Ah! C'est là, c'est... Oh putain, c'est Ghost DX, il a mis un micro avec une alarme. Genre, quand il y a un micro, si je fais ça... il va se déclencher, il va faire... Oh mon dieu! Des Anglais qui utilisent du Celsius? Je savais pas que ça existait! Par contre, il fait 15, hein, il fait un peu frisqué. Hein. Bon, ça va, mais bon... couvrez-vous, hein, sortez couvert. Fermez la fenêtre aussi. Il y a quelque chose, là? C'est The Lighthouse, de Robert Eggers. You like my lobster? Pardon, je fais des références à des films que probablement personne n'a vu, mais c'est pas grave. Ah, c'est... Henri, c'est toi? Genre, j'ai cliqué sur le tableau, il m'a dit, va-t'en, il va me trouver! Mais ça va, t'es même pas caché, là, t'es nul. Bon, apparemment, il y a quelqu'un dans la chambre, mais je suis... je le vis bien. Hein, c'est... Ah, je te dérange, quoi, bah, bisous. Hein. C'est l'étoile matin. Pourquoi tu dis ça? La musique, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a un violon qui est cassé là? Oh non, putain, c'est une énigme. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est pas comme des cartes spéciales, genre il faut remplir certaines conditions pour afficher leur contenu. Genre quand j'étais gosse, j'avais des cartes comme ça d'Harry Potter où genre il fallait les mettre au frigo, souffler dessus, chauffer comme ça. Genre, moi j'utilisais un sèche-cheveux parce que j'étais pas très intelligent. Du coup, je l'ai fondu. Mais ouais, j'aime bien ce genre de carte. Genre, pour découvrir un contenu, il y a des petites énigmes que tu dois comprendre toi-même. Parce que là, en fait, il faut juste la toucher et avec ton contact, ça suffit, en fait. Je suis Dieu. Ok, aime bien le degré Fahrenheit. Bah oui, c'est pour ça, en fait, je me suis... Non, même les Kelvin. Non, c'est vrai, c'est les Fahrenheit. Les Américains, c'est les Fahrenheit. Je crois que les Anglais, c'est les Kelvin. Truc impérial, je ne sais quoi. C'est le seul truc du système international qu'ils utilisent, je crois. Betty, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que je devais savoir ce qu'il y avait dans... Tommy, no one... Personne ne devait savoir que j'étais dans cette salle. Quelqu'un a essayé de rentrer, mais il ne l'a pas ouverte. Blablabla. Quelqu'un a soupiré, a chuchoté mon nom. C'est le chuchoteur, The Whisperer. Blablabla. Thomas. C'est qui Thomas? Est-ce que genre toute la famille Bracric, là, je sais pas quoi, j'ai déjà oublié leur nom, ils se sont tous retrouvés ici. J'aimerais bien un journal aussi pour noter tous mes trucs, parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge en fait. Enfin là je suis pas vraiment concentré, j'avoue, je fais le con et c'est pour ça que je suis pas trop concentré. J'avoue, je suis coupable. Ça fait beaucoup de X, hein. Il aime beaucoup sa sœur. Forcément, hein, le petit message, apporte-nous plus de bière, s'il te plaît. Même pas. C'est Attends, c'est sa sœur ou pas? Parce que vu comment il parle... Oui, c'est ça, parce qu'il parle de maman et papa, d'accord. Bon appétit!
Je pose qu'il y a une énigme avec ça. Est-ce que je note? Bon, on verra si je note. Hein. C'est, si on parle de carte quelque part, je reviendrai, je noterai. Je suis perdu. Ah, voilà. Ah, c'était bien des lampes torches, ça. Enfin, des lampes. Pourquoi les... Oui, pourquoi tu veux l'observer? Il est bizarre. Oui, il y a une grille, là? C'est quoi, ça? Ah non, c'est un lit, d'accord, ok. Hop là. Voilà. Je sais pas si tu parles à moi, mais oui, moi j'ai déjà mangé. Je me suis fait un sandwich rapide et. Parce que j'aime pas faire des pauses pour manger. Bonjour. C'est quoi ça? C'est une alarme, mais elle est censée détecter quoi en fait? Les fluctuations électromagnétiques dans le champ vectoriel de la salle? J'essaie de dire des trucs vaguement scientifiques comme tous les chasseurs de fantômes pour être sûr de paraître intelligent. Alors que ça n'a rien à voir. Ah je... oh! Des symboles! M. Avel. Enola. C'est quoi ça? C'est genre l'équivalent de notre provençal, c'est ça? C'est le parler spécifique du sud de la Grande-Bretagne? Parce que je comprends rien, je pige rien. J'ai déjà vu ces symboles quelque part, je me souviens plus où. Alors il y en a trois, donc je vais noter qu'il y en a trois. Et je vais roter aussi. Ah non, il est parti. Ah, il est revenu. C'est bon. Leave me alone. Deux de QI. On m'annonce dans l'oreillette que c'est juste leave me alone à l'envers. Oui, oui, j'adore les jeux d'horreur, les jeux d'énigmes, j'adore les escape games. Je suis trop fort à ça. C'est quoi ce message? Ah, c'est à l'envers. Oh non! C'est le chuchoteur. Non. C'est la mécanique de Newton. C'est ça. C'est ça, en fait. Oh, j'ai compris. Les appareils un peu partout, c'est pour détecter les sifflements. Genre, si je ne siffle pas, ça ne s'active pas. Par contre... Non, c'est bon, c'est parti, d'accord. Attends, il y a deux escaliers. Attends. J'ai un peu perdu, là. Il y a deux escaliers côte à côte. Ça me perturbe légèrement. Ah. Attends, quoi? Allez, tu peux plus bouger. Ah, cinématique! Je vais vous défoncer si vous êtes trop près. D'accord, non, je suis inoffensif. Ne me frappez pas, s'il vous plaît. Je sais pas ce que c'est. Oui? Ah, c'est le chat, il veut rentrer. Ou sortir. Non, mais il fait quelque chose. Je préférais les violons cassés, moi. C'est un autre étage? D'accord. Oh! Ah, c'était sympa ici, hein, on s'est bien amusé. Oh putain, c'est chiant. Station. C'est ça, c'est bien l'hôtel. Donc c'est l'hôtel qui est à côté d'une station de une gare. Je savais pas que ça se faisait, mais apparemment, oui. Oh putain, et à l'ouverture, il n'y avait même pas de resto. Il y avait une station de gare, un hôtel, mais pas de resto. C'est. Oula. C'est que 3 ans après, peut-être qu'il faudrait. Faudrait les nourrir un petit peu. Enfin, bah oui, c'est ça. C'est... Non, il était juste enfermé dans une salle et là il s'est dit oh, j'ai envie de bouger, j'ai envie de sortir. Mes chats font ça tout le temps. Ah, et ça a été. Oh putain, l'hôtel a été designé. Non, c'est le restaurant qui a été designé par Arthur Johnston. Je suis sûr qu'il y a une histoire de culte ou je ne sais quoi où ils étaient tous. Il y avait tous les gens du cru du village qui faisaient des sacrifices et qui faisaient partie d'une élite secrète des Illuminati british ou je ne sais quoi. Table 2. Alors juste, je vais noter... Je note tout, hein, parce que c'est un point and click et j'ai pas envie de faire des allers-retours. Donc je note tout. Je note le joli symbole qui ressemble un petit peu au symbole des Templiers. Pas du tout, en fait. Table 2. Est-ce que vous voulez voir mon écriture et mes dessins magnifiques? Voici ce qui est censé représenter la table.
Je crois que c'était à l'envers, mais j'en ai rien à foutre. Ça, c'est quoi? Oh non. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est la... C'est pas l'addition. Genre ça t'a pas coûté 2 dollars de livres. Je sais que les livres, ça correspond à 5 euros, mais 5 euros le repas, même à McDo, c'est pas aussi peu cher. En plus, pour deux. Putain, 12 avril 1947. Ah non, 97. Je me suis dit, attends, c'est pas possible, ça. La Bible! Oui! Je suis sauvé! Et attends, il y a un truc dans la Bible. Mais il y a un truc dans la Bible! Ouvre la Bible! Connard. Oui, oui, one goose, c'est une oie entière. C'est... Ah, ils étaient deux, hein, ils avaient faim. Je vais juste sauvegarder. Hop là. Oui. Hop là. Ah. Oh putain. C'est quoi ce truc écrit tout en petit? Je sais pas si pour vous ça doit être pire en fait. Cher Eleanor. Oh ses amis, c'est... Ah non, c'est fine. C'est méchant, c'est vilain méchant. Je sais traduire, je suis traducteur professionnel. Les critiques sont je sais plus parler. Intolérables. Et le public était pire. Ils m'ont ri au nez. Ce cher Quentin. Quentin. C'est pas Quentin, c'est Quentin. Un peu comme Catin, mais pas la même chose. Arrête de faire des blagues. M'a envoyé des extraits des papiers des journaux de Londres. Et les gens qui sont venus étaient juste venus pour la blague, en fait. D'accord, donc je pense que c'est Naxtri... Putain, je sais plus parler. Réveille-toi la bouche. Ça doit être une performatrice, vous savez, qui fait des spectacles d'art et essai. J'avoue, j'aime bien me moquer, mais c'est méchant. Parce que c'est le postmodernisme. Personne ne comprend ça. Les gens n'aiment pas ça. D'accord. Elle a fui Londres. Elle n'aime pas Londres. Elle n'aime pas la grande cité. Elle n'aime pas la Tessie. Ah. J'aime bien, elle a écrit « Ah oui, j'aimerais bien te rendre visite Barbara. » Puis ensuite, elle a barré, elle a dit « Ah non, en fait, Eleanor, Barbara, c'est une pute. » D'accord. Ah, Sainte-Yves. Non, mais fais pas genre, hein. On sait tout le monde sait que tu préfères Barbara. You're very nosy, aren't you? Poking around in other people's things. Ça va pas la tête. Je lis. Je suis occupé. Arrête de me parler. En plus, les gens n'interagissent pas avec moi, en fait. Ils me parlent juste, en fait, de derrière, et ensuite, ils s'en vont. Bande de connards. Blablabla. À qui tu parles? C'est quoi, ça? C'est la suite de la lettre? On dirait qu'elle parle à quelqu'un. Non, je sais pas. Elle a dit je t'ai entendu crier. À qui elle parle? Je comprends pas. Ah oui, j'ai dû t'entendre crier pour moi ou je ne sais quoi. Enfin, elles sont poussées des ailes. Je dis ah oui, tout le monde a envie de moi. Tout le monde veut être mon ami ou je ne sais quoi. D'accord. Donc elle aussi, elle pense que l'hôtel est maléfique. Ça, il y a quelque chose, il y a une entité dans l'hôtel. Et puisqu'ils ont essayé, la famille Crowbrick, là, je sais pas quoi, de reconstruire pour faire un club, probablement un club échangiste, hein. C'est la fin de notre culture. L'entité a décidé de tous les buter. Parce que voilà. Blablabla. Et je suppose que le démon en question, ça doit être... Ferme ta gueule! C'est quoi, buttons? Non mais, ferme ta gueule! Me parle pas! Bon, il y a certains... Enfin, je sais pas.
J'allais dire, si je fais n'importe quoi, je suis sûr que ça va marcher. En fait, je pense que c'était par rapport au son. Genre, il y en a certains qui faisaient clic, il y en a d'autres qui faisaient cloc. Et il fallait que je fasse cloc. Comme cloc en anglais. Ah, je suis humoriste. Quoi? Je prends note. Hein. Ah, celui-là, il est beau. Celui-là, il est beau. Celui-là, il est beau. Et justement, du coup, puisqu'il était beau, je l'ai bien dessiné. Du coup, il n'y avait plus d'encre. Du coup, je vais redessiner dessus. Et du coup, maintenant, il est dégueulasse. J'adore ma vie. Ok. Et donc? Bien joué. Tu as découvert un symbole caché. Tu as débloqué à présent l'occlumency. D'accord. One of my best. Ta gueule! Pardon. Donc c'est Mathilda Fly, une charmante dame qui n'arrête pas de me parler directement dans mes oreilles. Ta gueule. En plus, je connais cette voix, ça m'énerve. Parce que je ne sais plus d'où elle vient. Où est-ce que je l'ai entendue. Je crois que c'est dans Easter One, mais je ne suis pas sûr. Alors, la mariée a deux visages et Bodmin Moor. Ah non, of Bodmin Moor, d'accord. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, Bodmin Moor, mais c'est juste un lieu, je suppose. D'accord. Et donc? Mais c'est quoi? C'est une pièce de théâtre? Non, c'est juste une performance artistique? Comme les gens qui n'aiment pas trop ce genre de truc appellent ça. Ah, Mathilda. Salle de baie. Attends, il y a Shakespeare là, ou je ne sais quoi. Oh putain, d'accord, ça je m'en fous. Donc Mathilda est partie de Londres, je m'en fous. The scoundrels. D'accord, donc c'est une pièce de théâtre et elle était l'actrice principale. Et tout le monde la critique parce que ils aiment pas ça, voilà. Putain, j'ai des flashbacks à Layers of Fear. Ou genre, pareil, c'est un artiste qui fait un gros boom, puis au bout d'un moment, il fait certaines peintures que les gens n'aiment pas trop. Genre, une semaine, il appelle le nouveau Picasso. Non, pas le nouveau Picasso. Le nouveau Léonard de Vinci. Et la semaine d'après, ils disent « Oh, c'est de la merde. » J'adore les critiques d'art. D'accord. Ah, donc elle a disparu au bout d'un moment. D'accord. D'accord, donc la pièce a été annulée puisqu'elle elle faisait pas assez d'argent. J'aime bien, je suis parti, je me suis écarté des lettres. La musique mélancolique, elle a fait stop. C'est fini, il regarde plus, c'est plus triste. Il a déjà oublié. Waouh. Tu vois que c'est un vieux jeu. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une orbe magique, mais je suis bougé et du coup elle est partie. Non mais ta gueule. On va faire ça dans l'ordre. D'abord A, ensuite B, ensuite C. C'est creepy ça. Ah, c'est la salle des énigmes. Non, non. Putain. J'ai fait quelque chose que je sais pas si j'aurais dû faire ça en fait. Jumpscare? D'accord, c'est chiant. Non, pas du tout en fait. Je pensais avoir reconnu ce symbole, mais en fait non, c'est pas du tout le symbole de la table. Ça y ressemble un tout petit peu, mais pas trop. Je peux me cacher? Non. J'essaie, mais ça marche pas. Je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui se passe. Ok, toi je vais te laisser pour une autre fois. Hein. Il y a un joli chapeau mais je peux rien faire avec. J'ai l'impression parce que c'était vraiment une mode dans les vieux jeux point and click, ta gueule s'il te plaît le violon. Ah c'est verrouillé. D'avoir en fait des écrans qui ne servent à rien. J'ai pas regardé, j'ai regardé autre chose, j'ai regardé mes jolies pièces, c'était quoi? Bonjour madame. Elle est passée par la fenêtre? Bonjour. Je veux mourir.
Ah. Out of order. Ah. Oh. C'est coincé. Ah, vous avez appelé le bonhomme. Je vais vous décoincer tout ça. Je vais le fracasser contre le mur, vous allez voir, ça va marcher. Oh non. Oh non. Je vais pas faire ça longtemps. Bon bah voilà. Tous les hommes pensent que les hommes sont mortels, excepté eux-mêmes. Merci. Merci Edward Young. Très très intéressant. C'est tout? Ah, une petite pensée philosophique. Et à chaque fois que tu relis le truc... Ah bah il est disparu. À chaque fois que je lisais le truc, je me suis remarqué en fait le score en haut changeait. Et là il a disparu. D'accord, bah c'était très très intéressant. Ta gueule. Ah, une énigme avec les étoiles. Elle est où la lune? Apparemment il y a une super lune. Hier, il y a eu une super lune. Je crois. Elles sont jolies ces étoiles, elles forment un joli cercle là. Est-ce que je peux... Voilà. Est-ce que ça va débloquer une fin secrète? Non, d'accord, très bien.